Madame, monsieur, bonjour. Bon début de semaine. Merci en tout cas de nous rester fidèles. Lundi signe la rubrique C'est bon à savoir. Nous parlons toujours de droit le lundi, le flagrant délit. Il est utilisé à tort ou à raison. Le flagrant délit. Nous allons savoir exactement ce que cela veut dire, dans quel contexte est-ce que cela est utilisé. Ce sera avec Monsieur Yves Blé, qui est notre consultant juridique. Cela dit, nous sommes lundi et puis toujours, du lundi au vendredi, les invités de la direction commerciale et marketing vont venir s'adresser à vous. C'est bien vrai que le contexte est quelque peu pluvieux. Sur Cocody, mais ils ont tenu à effectuer le déplacement et à être très nombreux aujourd'hui à vouloir intervenir. Ensuite, de la variété, compte tenu de ce magazine, cela ponctue les différentes articulations de ce magazine. Monsieur Tanenguesson est à la réalisation de cette émission et c'est la tigresse Sidonie au cœur de la culture baoulée, n'est-ce pas, pour coller avec l'actualité. C'est la tigresse Sidonie que nous avons choisie pour vous. Oh, monsieur Amani Filom, tu as trop de problèmes. Et quand on va pour les spectacles comme ça, je ne sais pas ce que tu fais. C'est quelle affaire ça? Oh, Gobeyou, Aïneng Neng. Mon con André Sidoni, c'est Amoula à la Kayo. Blenga wa ou les sati, blenga ou ke, ou wontine, ou benga ma diedi. Waya nous ko ou besa wa tu fais. Sere Madiaba, 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 sere oe.
Monsieur Yves Play, bonjour. Bonjour Mariam. La flagrance, le flagrant délit. On entend souvent dire nos concitoyens parler de flagrant délit, c'est-à-dire flagrant délit pour dire quand vous a pris la main dans le sac, et certains même pour dénoncer des situations d'adultère. Et il y a un artiste qui a bien chanté flagrant délit. C'est un délit, oh yeah, flagrant délit dans mon... Bon, voilà. Tout à fait. Donc, on parle de flagrance... Ziqué, oui. Voilà, voilà. Ça pour les anciens. Sinon, pour les nouveaux, c'est coupé, décalé. Voilà, donc, il y a la flagrance. Oui. La flagrance, on dira flagrance ou flagrant délit, mais je préfère qu'on dise la flagrance. Pourquoi? Parce que quand on parle de flagrance, ça englobe deux aspects. Ça englobe le flagrant délit et le crime flagrant. Parce que il y a flagrant délit lorsqu'il s'agit d'un délit, c'est-à-dire que la peine n'est pas celle, la peine d'un crime, mais il y a également le crime flagrant lorsqu'il s'agit purement et simplement d'un crime. D'accord. Donc la flagrance englobe ces deux notions. Englobe le délit et le crime. Voilà, également. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La flagrance, le mot flagrance vient du latin flagare. Et flagare signifie ce qui est brûlant, ça veut dire brûler. Et quand on parle de brûlant, ce n'est pas ce qui brûle la main ou encore brûle quelque chose. Ça désigne tout simplement tout ce qui s'impose comme une évidence à l'esprit, en raison des caractères objectifs qui ne permettent pas de nier, ou encore des caractères objectifs immédiats et récents. Ça veut dire quoi? Je vais donner un exemple simple. Tous les soirs, quand on prépare, on dépose la sauce sur la table. Et on remarque au moment de prendre le dîner qu'il y a des morceaux de viande qui disparaissent. Il y a des gouttes de sauce sur la table. Donc la maîtresse de maison dit, bon, comme c'est dans l'obscurité, elle va se mettre dans un coin de la maison, elle va observer. Pendant que certainement quelqu'un a l'interrupteur en main. Donc c'est une enquête qui a été mise en place. Et donc la personne arrive avec des pas et plonge la main dans la sauce. Au moment de retirer le morceau de viande, on allume la lumière, on dira tout simplement qu'il y a flagrance, flagrant délit. Parce que là, c'est un délit. C'est-à-dire qu'on a attrapé la personne. C'est une évidence. La personne n'a plus la possibilité de nier. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que ce n'est pas moi. Tu ne peux que dire que c'est gênant. C'est-à-dire que là, on t'a attrapé, la sauce est sur toi, le morceau de viande est dans ta main. C'est vrai que tu n'as pas mis dans la bouche. Mais on va dire que est-ce que le repentir fait qu'il n'y a pas vol? Parce que lorsque tu as volé, c'est-à-dire si tu voles et puis tu dis, tiens, tu voles à la minute et tu finis de voler, tu dis, non, je ne veux plus voler, tiens. On ne dira pas que le repentir a créé, a fait disparaître l'infraction. On dira que le vol est une infraction instantanée. À la minute où tu décides de voler, c'est le vol que tu as commis. Mais si c'est resté dans ton cœur et que tu n'as pas volé, mais tu avais la pensée de voler, là, on dit que c'est une infraction putative. Et l'infraction putative n'est pas punie par la loi. Mais et si la personne vole et puis on l'attrape, on la prend pas la main dans le sac, mais cette personne est prise de remords. Et cette personne décide de venir dire, bon, vraiment, excuse-moi, voici ce que j'ai fait, mais je regrette, tiens. La personne vient de faire un aveu. Et l'aveu, en droit, est la mère de toutes les preuves. Parce qu'on aura la preuve testimoniale qui va se faire par écrit. Mais lorsque vous venez avec votre propre bouche, avec le cœur haletant, avec la volonté de dire « c'est moi qui ai volé », quelle preuve voulez-vous? C'est la plus belle des preuves. Venez dire que c'est moi qui suis le voleur. Alors vous permettez que l'action publique, le procureur vous poursuive, que l'action civile soit mise en œuvre pour la réparation et que vous puissiez réparer le préjudice que vous avez causé à celui qui est la victime. Donc, mais le fait d'avoir, sans avoir été pris la main dans le sac, donc on avait le choix. On avait le choix de se repentir ou le choix de continuer d'avoir volé déjà. Mais le fait qu'on ait choisi la bonne option, il n'y a pas de mesure pour alléger certaines choses? Bien au contraire, cette personne doit être sanctionnée pour décourager ceux qui ont ce genre de vocation. Parce que le juriste dira tout simplement que le silence est très dangereux. Parce que celui qui sait et qui ne dit rien, est pire que le criminel. Or, cette personne, pendant un certain moment, savait, et nous étions en train de rechercher le voleur. Donc, a certainement permis que des innocents soient accusés, des doutes soient émis, et maintenant, cette personne vient pour avouer. C'est le plus beau moment pour un enquêteur, pour un parquetier, pour un avocat, que de dire,
voici le voleur, il doit être condamné, il doit être puni. Donc ça veut dire que la loi encourage à ne pas faire marche arrière lorsqu'on est dans le, lorsqu'on est en tort. Au contraire, la loi encourage le repentir. Parce que lorsque vous vous repentez, vous payez votre dette vis-à-vis de la société. Et lorsque vous payez votre dette le lendemain, vous êtes libre. Ça veut dire que vous avez subi la sanction et vous êtes libre de tous vos mouvements. Si on ne se repentit pas et puis qu'on n'est pas attrapé, c'est une option qui existe. Oui. Or, le fait de venir volontairement se dénoncer en se disant « je regrette » et puis bon, finalement, au moins, ils ne m'ont pas trouvé, mais je suis venu de moi-même pour dire que c'était moi. À ce moment-là, normalement, on devait alléger. Sinon, finalement, ça, tant qu'à faire, on continue, on va jusqu'au bout. Mais parce qu'on a une chance sur deux de ne pas être attrapé. Il appartiendra à cette personne de dénoncer ces circonstances afin de bénéficier d'une circonstance atténuante. Oui. Mais cela ne veut pas dire que la personne ne va pas être sanctionnée. Parce que la liberté n'est que liberté que lorsqu'on assume. Donc, cette personne va être tout simplement sanctionnée. Nous avons un célèbre film dans lequel on parle du bagnard Jean Valjean qui a volé un morceau de pain mais qui a été condamné, qui était poursuivi pendant toute sa vie parce qu'il avait posé ce tact. Et donc, vous voyez que lorsque vous conservez au fond de vous ce genre de situation, vous êtes face au tribunal de votre conscience. Personne ne parle, mais vous avez en vous le sentiment de ce que la culpabilité demeure. Donc, il faut se vider en allant avouer. Il faut supporter la sanction en sorte que lorsque la victime vous voit demain, elle dit « c'était mon bourreau, mais il a payé et voici la réconciliation ». Donc, la réconciliation sort de l'aveu, du paiement, du remboursement. Et lorsque cela est remboursé, demain, vous avez la possibilité de vous présenter fièrement pour dire « Yeah, j'étais celui qui était le voleur. Aujourd'hui, je me suis repenti. J'ai payé ma dette vis-à-vis de la société. J'ai la possibilité d'entrer encore dans la société pour me présenter. » Vous parlez de réconciliation, mais on parle plutôt de pardon. On parle de pardon, oui. Mais le pardon sans justice, le pardon... Excusez-moi, il vient avouer, il vient le dire, mais est-ce que vous êtes sûr qu'il a vraiment commis cette infraction? Parce que lorsqu'il viendra le dire, le juge dira, menons quand même une enquête. Il y a des personnes qui viennent pour dénoncer, pour avouer, mais en réalité, elles viennent pour protéger une autre personne. Donc le juge, par des faisceaux, va tenter de mener une enquête pour s'assurer de ce que la personne est en train de donner des aveux cohérents et sincères. Bien noté. Voilà. Donc, on dira que l'infraction flagrante, c'est celle qui vient de se commettre actuellement. C'est celle également qui s'est commise dans un temps très voisin de l'infraction, qui a été appréhendée dans un temps très voisin de l'infraction. C'est celle également pour laquelle il y a quand même quelques minutes, il y a quand même longtemps, mais pour laquelle le chef de maison a requis les forces de l'ordre d'intervenir dans son domicile. Parce que vous savez que la perquisition doit avoir lieu entre 4h et 21h. 4h du matin et 21h, au-delà de ce temps, c'est-à-dire entre 21h et 4h, il ne doit pas avoir de perquisition. Donc vous notez ça très bien, entre 21h et 4h, il ne doit pas avoir de perquisition. Mais si nous sommes en matière de consommation de stupéfiants, en matière d'infraction de grande criminalité, par exemple, un braqueur s'est introduit dans la maison de quelqu'un et le voisin a donné l'alerte, la police a la possibilité d'entrer dans ce domicile. Ou bien le chef de maison prend son téléphone et il appelle la police en disant doucement « Au secours, on me braque, je suis à la rue 12, à la rue 12. » Donc, la police a la possibilité de se déporter dans ce domicile-là pour essayer de voir ce qui s'y passe. Maintenant, on va demander, est-ce que le propriétaire de la maison est forcément le chef de maison? Parce que je loue ma maison à quelqu'un. Et lui, il est le locataire, il habite dedans. Est-ce que c'est parce que je suis le propriétaire du bâtiment que je suis le chef de maison? La loi dit non. Le propriétaire de maison, c'est celui qui a l'usage de la maison. Donc, s'il a l'usage de la maison, c'est lui le propriétaire. Est-ce qu'une femme qui n'est pas mariée légalement est le chef de maison? Non, elle n'est pas le chef de maison. Le chef de maison, c'est son concubin. Mais si elle était mariée légalement, elle aurait pu, en vertu de cette disposition légale dont elle bénéficie, cette couverture de par la loi, elle aurait pu être le chef de maison. Maintenant, il y a des situations où les parents ne sont pas là. Attendez, pourquoi est-ce qu'elle serait le chef de maison si elle était mariée légalement? Elle serait le chef de maison parce qu'elle est dans une situation légale, alors que la concubine... Mais non, le chef de maison, c'est l'homme, non? Le chef de maison, non, c'est celui qui a son nom inscrit sur le bail. D'accord. Okay. Voilà, le donc, chef de maison. Si elle est mariée légalement et que le nom inscrit sur le bail est celui de son époux,
Donc, celui de son concubin. Non, de son époux. C'est les mariés légalement. Bah, donc, de son époux, oui. Donc, c'est lui le chef de maison. Le chef de... En principe. C'est lui. Voilà. Maintenant, s'ils sont mariés légalement, et c'est le nom de la dame qui était inscrite sur le bail, oui. C'est elle... Qui est le chef de maison. D'accord. C'est une situation quand même rare. Voilà. Donc, dans ce genre de situation, si également les parents ne sont pas là, les enfants ont quand même la possibilité de se substituer à leurs parents et d'appeler la police. Dans ce cas, on dira que le chef de maison par assimilation. D'accord. Voilà, donc il y a ce genre de situation. Maintenant, à côté de ça, quelles sont les autorités qui sont chargées d'une enquête de flagrance? Attendez, juste avant l'enquête de flagrance, on rappelle que entre 22h et 4h du matin, 21h, entre 21h et 4h du matin, aucune force de l'ordre ne peut venir chez vous pour X ou Y raison. Oui. Pour une perquisition. Pour une perquisition. Même pour une visite domiciliaire. D'accord. Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. À partir de 4h du matin. À partir de 4h, où vous dormez, c'est-à-dire où vous êtes en train de maintenant faire les songes. C'est là, il tape police nationale de Côte d'Ivoire. Puis on vous explique. Voilà. Puis on peut vous expliquer, vous faire sortir, aller vous placer en garde à vue. Ça, maintenant, c'est possible. Comment, parce qu'il y a beaucoup de personnes mal intentionnées. Alors, comment on vérifie que c'est vraiment les forces de l'ordre à 4h. Parce qu'à 4h, on est un peu dans les vapes. Oui. Et quelqu'un vient à 4h ouvrir police en tenue qui ressemble peut-être en gros à une tenue militaire. Mais quelle astuce on aurait pour être sûr que c'est une force de l'ordre? Merci Marianne. Et vous me donnez là l'occasion de préciser à nos concitoyens que dans le système judiciaire que nous avons hérité de la France, il n'existe pas le mandat de perquisition. On a 4 mandats. Le mandat d'amener, le mandat de dépôt, le mandat de comparution, et nous avons un autre type de mandat, voilà, cela va me revenir, mais on a 4 mandats, mais nous n'avons pas le mandat de perquisition. Nous avons tout simplement ce ordre qui est donné à un officier de police judiciaire d'aller perquisitionner, et à la fin de sa perquisition, il doit rédiger ce qu'on appelle un procès verbal de perquisition. Mais lorsqu'il vient perquisitionner à votre domicile, vous avez la possibilité de faire appel à un avocat. Là, c'est une garantie qui est donnée. C'est-à-dire, vous pouvez dire, tant que mon avocat ne vient pas, laissez-moi appeler mon avocat, mais vous avez la possibilité de faire appel à un avocat. Maintenant, dans les localités où il n'y a pas d'avocat, où on sait qu'on est à l'intérieur du pays, les avocats ne sont pas installés, la loi vous donne la possibilité de vous faire assister par un proche parent. Donc, même si nous sommes dans une localité où il y a un avocat, il y aura quand même un proche parent qui va vous accompagner. Et lorsqu'un officier de police judiciaire vient, il a quand même ce qu'on appelle une carte qu'il va présenter et il va vous conduire directement vers un poste de police ou de gendarmerie. Parce que lorsqu'il vous conduit dans un tout autre endroit qu'un poste de police ou de gendarmerie, sachez que là, vous êtes dans une détention arbitraire. Qu'il soit en tenue, qu'il ne soit pas en tenue, qu'il soit transmis du parquet ou pas, vous êtes dans une situation de détention arbitraire. Et si c'est une autorité, c'est une violation grave des droits de l'homme. Et vous pouvez saisir les associations de défense des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme, pour exercer un recours pour dire que votre liberté a été embastillée. Voilà. Est-ce qu'à 4h05 du matin, on vient sonner à votre porte en disant que ce sont les forces de l'ordre, vous avez la possibilité de maintenir la personne dehors jusqu'à ce que l'avocat ou un ami ou un parent arrive? Non. Ou bien vous avez obligation d'ouvrir la porte, et si vous ne vous exécutez pas, cette force de l'ordre a la possibilité, le droit de défoncer la porte. Mais là, si vous le faites, vous risquez d'entraver le cours d'une enquête, alors qu'en entravant le cours d'une enquête, vous faites outrage à ces forces de l'ordre. C'est un outrage grave, c'est un manque de respect pour le drapeau, parce que vous savez que lorsque il y a une passation de charge entre des forces de l'ordre, il y a un drapeau qui est remis, et en vertu de ce drapeau, il y a ce qu'on appelle la formule exécutoire qui permet à tous les officiers qui ont le pouvoir de par le président de la République d'exécuter les décisions de justice. Donc, quand vous vous entravez le système légal d'exécution des décisions, vous vous mettez en porte-à-faux avec la loi. Parce que ce n'est pas votre cousin qui est devenu officier de police, ce n'est pas votre neveu, le petit là, qui est devenu policier, mais ce sont ses galons, c'est le drapeau de l'État que nous regardons, c'est la force publique qu'il a avec lui. Et il y a un délinquant qui me confiait une fois lors d'un entretien, il disait, quand tu vois les policiers de maintenant, ils sont petits, mais comme ils ont porté tenue là, tu n'as plus de force. Sinon, lui là, s'il n'a pas porté tenue là, il ne peut pas tenir devant moi. Je dis, ah bon, il dit oui, que quand nous on voit tenue là, vraiment, on n'a plus de force, c'est lui qui a force maintenant.
Donc vous aussi, lorsque vous voyez la tenue, laissez-le avoir sa force. Mais lorsque vous avez des recours, il existe des juridictions. Et je vais pour vous dire que la chambre d'accusation est une chambre qui mène un contrôle sur les officiers de police judiciaire, sur les actes. Et le parquet a un rôle de direction de l'enquête. Donc lorsque un officier de police est en train d'agir, sachez qu'il rend compte au parquet. Sachez que le parquet lui donne également des instructions. Parce qu'on voit très souvent des gens qui disent, un petit officier comme ça, il a arrêté mon frère, je vais appeler mon oncle qui est au parquet, mon oncle qui est procureur. Parce que donc, pour le commun des mortels, tout le monde à la justice, tous les juges sont des procureurs. Donc quand il a son oncle qui est un peu juge, même greffier, ou bien qui a son oncle qui travaille à la justice, même si c'est lui qui met les cachets, on dit il est au parquet, procureur. Donc il va appeler mon oncle qui est procureur. Sachez que le procureur est celui qui dirige l'enquête, qui est celui qui est là pour la préservation de vos droits. Donc à ce niveau, les interférences, il faut souvent les éviter parce que cela crée des frustrations vis-à-vis des officiers de police judiciaire. Et il y a des conséquences à ces frustrations? Il y a des conséquences à ces frustrations parce que lorsque vous intervenez de la sorte, l'officier de police judiciaire tient de la loi obligation de transmettre les procès-verbaux, les actes, les plaintes, les dénonciations au parquet. Et le parquet, en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, dispose de la possibilité de poursuivre ou de ne pas poursuivre. On parle de l'opportunité des poursuites. C'est par exemple, il a volé, mais parce qu'il avait faim. Et donc, le parquet va essayer de voir, il a volé quoi, un morceau de pain, est-ce qu'il a remboursé, bon, c'est même pas la peine de l'envoyer à l'audience, opportunité des poursuites, ce n'est pas opportun. Là, le parquet peut intervenir. Voilà. Donc, il ne s'agit pas trop d'intervenir, mais il faut laisser les procédures vraiment se faire. Et quand il y a des règlements à l'amiable, ces règlements-là portent simplement sur l'action civile, qui n'a aucun effet sur l'action publique. Très bien. Voilà. On peut poursuivre. Maintenant, la question qu'on va se poser, quelqu'un a commis une infraction flagrante. Il a volé orange devant nous au quartier. Et puis nous, on a crié « voleur ». Donc, on parle quand on crie voleur, on dit c'est la clameur publique. Donc, la clameur publique fait qu'on va te poursuivre. Maintenant, quand on le poursuit, Mariam, je vais vous demander, est-ce que la loi donne autorisation à n'importe qui d'arrêter une personne et de conduire cette personne devant l'officier de police judiciaire? Je pense que non. Et je pense qu'on a vu des abus également. Non, la loi dit au contraire que l'article 72 du Code de procédure pénale, attention, donne la possibilité... Lorsque vous voyez une infraction flagrante en train d'être commise, d'appréhender l'individu qui est censé avoir commis cette infraction et de l'envoyer devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Mais souvent, il est lynché. Non, la loi n'a pas dit de le lyncher. Si vous le lynchez, là, vous allez commettre l'infraction de coups et blessures volontaires. On n'a pas dit de le frapper. Il y a d'autres même qui disent, il faut le taper. On n'a pas dit de lui faire quelque chose. Vous l'appréhendez. On n'a pas dit d'attacher ses mains. Tu n'es pas policier pour prendre... Mais il peut fuir aussi. Non. Parce qu'il se débat. Vous prenez quatre gaillards dans le quartier, vous le maintenez, vous l'envoyez, comment on appelle, vers l'officier de police donc, judiciaire. Donc c'est une infraction de l'attacher. Non, on ne doit pas l'attacher. On ne doit pas le chicoter. Parce qu'il y a des gens qui disent, on n'a qu'à le chicoter. Ou bien ils disent que nous, dans notre village, quand on attrape voleur, on a des manières particulières de le traiter pour qu'il ne puisse plus voler. On n'a pas dit ça. La loi dit simplement de l'appréhender. C'est-à-dire, vous le prenez. Il est bien propre, ne le salissez pas, hein. Vous le prenez bien propre, il marche entre vous comme des gardes du corps et puis vous allez, bonjour monsieur l'officier. Oui, mais il va chercher à partir aussi. Non, vous l'encadrez, il faut l'encadrer pour ne pas qu'il puisse s'enfuir. Parce qu'il y a des gens, quand vous voulez les encadrer, il est plus rapide que vous. Les premiers couloirs du quartier et puis tout le monde crie voleur, voleur. Je vais vous raconter une anecdote au tribunal. C'est un monsieur qui se réveille tard dans la nuit, il voit qu'il y a quelqu'un dans son salon et la personne commence à détaler. Sa porte est ouverte. Et lui, il crie « voleur, voleur, voleur !» Son voleur tombe dans une cour. Et lui aussi, il tombe dans la cour. Quand il tombe dans la cour, il voit des messieurs qui, très tôt le matin, sont en train de se nettoyer les dents et qui veulent aller au travail. Donc, eux, quand ils ont entendu « voleur », ils l'ont vu tomber. Automatiquement, ils n'ont pas réfléchi. Fallait-il fuir, entrer dans la maison pour que le voleur nous suive encore? Ils ont dit non, ils ont pris leur courage à bras le corps, ils l'ont maintenu et ils l'ont accompagné devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Et le monsieur qui a été maintenu et attrapé, il dit sa jambe a été déplacée. Donc il porte plainte contre ceux qui l'ont arrêté parce que selon lui, ils lui ont fait un mal. Donc il y a coup et blessure volontaire. Et l'avocat de ces deux personnes dit,
Attention, monsieur le président, l'article 72 leur donne la possibilité de conduire le délinquant devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Ils l'ont fait. Maintenant, le parquet qui était là pour défendre la société dit, mais ils l'ont mal fait parce qu'ils ont blessé l'autre. Et l'avocat qui dit non, il s'agissait d'un cas de présomption de légitime défense. Parce que la présomption de légitime défense dit que lorsque quelqu'un de nuit escalade la clôture, on doit se défendre contre cette personne qui escalade la clôture. Donc ce monsieur, en ayant escaladé la clôture de nuit, a commis une infraction. Donc eux se sont défendus, ils ont repoussé l'attaque en le maintenant. Donc le juge a tout simplement ordonné, il a donné 3 mois de sursis à cette personne et il n'a pas accordé, il n'a pas permis que cette personne ait de réparation parce qu'en réalité, elle-même avait commis une petite faute en s'introduisant dans un domicile de nuit sans y avoir été invitée. Voilà. Donc, il va falloir... Mais la personne qui est poursuivie, donc le présumé voleur, hein, et lorsqu'il est appréhendé par la foule, et lorsqu'il est battu par la foule, il arrive en sang au commissariat, quand même il aurait volé, est-ce qu'il a un recours par rapport à ses coups et blessures? Non, par rapport à ses coups et blessures, il a la possibilité, lorsqu'il sera à l'audience, de citer les personnes qui sont... C'est difficile, c'est la foule. Non, il... À lui de remarquer ces personnes, certainement que sur, dans les procès verbaux, on dira qui est venu dénoncer ou qui est venu porter plainte, et de dire que sur instigation de cette personne, il a été victime de coups et blessures volontaires. D'accord. Voilà. Maintenant, quand il y a une infraction flagrante qui vient de se commettre, on entend souvent, on va le déférer. Et c'est là que les parents s'activent pour aller voir l'officier, pour faire ceci, pour faire cela. Je reviens pour dire que il n'appartient pas à l'officier de prendre ce genre d'initiative. L'officier, lorsqu'il a connaissance d'une infraction, doit rendre compte à son patron, qui est le procureur de la République au parquet. Donc, il ne prend pas de décision. Donc, ce n'est pas la peine d'aller dire que le tonton officier, là, il est méchant. Quand il vient manger au maquis, je mets guassou, mais quand on a nos problèmes, il ne peut pas nous donner. Ce n'est pas de sa faute. La loi lui dit, quand il y a les voleurs, il faut les prendre et tu les défais pour les envoyer au parquet. Ce n'est pas à lui de faire des arrangements au commissariat. C'est vrai que si certains le font, en tout cas les officiers de Côte d'Ivoire, ces officiers valeureux qui veillent sur notre sécurité au quotidien, de jour comme de nuit, en tout cas je sais que la majorité sont ceux-là même qui ne le font pas. Ils sont là pour assurer notre sécurité. Quand nous dénonçons les infractions, ils s'emploient tout simplement à traduire les présumés bandits devant les juridictions, devant le parquet. Alors, je vous prends un cas concret. Oui. Dans une assemblée, il y a un portable qui disparaît et la personne a le réflexe d'appeler sur son portable et son portable sonne dans le sac d'une jeune dame. Oui. C'est ce qu'on appelle un flagrant délit. Oui, effectivement, un flagrant délit. Donc, il dit, madame, allons au commissariat. Non, vraiment, excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris et tout, je ne comprends pas. Ah, peut-être que nos portables se ressemblent, madame, allons au commissariat. Alors, moi, je ne suis pas d'accord, voici le portable et tout. Quel moyen il a de contraindre la dame à y aller? Première question. Et une fois qu'elle y est, lui, il décide, par exemple, de ne pas porter plainte dès l'instant où elle a rendu le portable. Elle a été humiliée parce qu'elle a été conduite au commissariat. Et il demande, elle lui dit, bon, voilà 50 000. Mais est-ce que l'État à la possibilité, au-delà du fait que la victime n'ait pas poursuivi sa plainte, est-ce que l'État a la possibilité de poursuivre la dame? Mais la loi dit tout simplement que lorsque l'officier de police judiciaire a connaissance d'une infraction, il doit enquêter sur cette infraction et il doit rendre compte au procureur de la République. Donc s'il ne voulait pas que cette affaire arrive loin, il n'aurait pas dû aller dans l'enceinte d'une brigade de gendarmerie ou de police. Parce que le but de la loi, c'est quoi? C'est de décourager les vocations au vol. En fait, elle a fait ça devant certaines personnes. Si demain, on va dire qu'on l'a traduit en justice pour cela, demain, il y a certaines personnes qui ne vont pas agir comme ça. Donc, le but, c'est de décourager les vocations au vol. Donc, dès que vous allez dire à un officier, celle-là est présumée avoir volé, il dit, étant donné que vous le dites, allons-y devant les tribunaux pour qu'on établisse sa culpabilité. Et si elle n'a rien fait, qu'on dise également qu'elle n'a rien fait. Parce qu'accuser une personne, c'est jeter le propre sur la personne. Donc, il faut la laver ou bien il faut l'habiller. Voilà. Soit il faut l'habiller du manteau du prisonnier, de celui qui a fauté, ou il faut laver cette personne, l'absoudre. En tout cas, des mensonges qui ont été posés sur elle. Voilà. Donc, c'est pour cela que l'officier s'emploie tout le temps à rendre compte au procureur de la République pour que le parquet soit saisi et que cette personne soit jugée pour répondre de ses faits.
D'accord. Alors, ça peut paraître anodin pour certains. Oui. On va dire, ce n'est qu'un portable. Oui. Mais quelle est la peine encourue pour les personnes qui s'amusent à voler, ne serait-ce que des portables? On va tout simplement regarder dans les infractions régissant le vol. Est-ce que c'est un vol simple avec circonstances aggravantes? Est-ce que la personne a essayé d'utiliser un objet contondant, c'est-à-dire un couteau, un pistolet? On essaiera de voir. Donc on va partir par exemple de 1 peut-être à 5 ans. Maintenant, si c'est un vol avec circonstances aggravantes, on peut se retrouver à 10 ans, un peu plus. Mmh. Voilà. Donc, voler, c'est bien, mais il faut supporter les conséquences du vol. D'accord. Donc, lorsqu'on arrive au parquet, qu'on est déféré, le parquet va essayer de voir s'il y a lieu de poursuivre. S'il n'y a pas lieu de poursuivre, on va essayer de relaxer la personne. Mais s'il y a lieu de poursuivre, la personne va être traduite sur le champ à l'audience. Mm-hmm. C'est-à-dire l'audience la plus proche. Si on vous envoie à 8 heures au parquet et qu'à 14 heures, il y a une audience, à 14 heures, vous allez passer à l'audience et le soir, vous serez condamné, vous allez vous retrouver à la maison d'arrêt de correction. Maintenant, s'il n'y a pas d'audience proche en ce moment-là, on va vous placer sous mandat de dépôt et les juridictions ont 15 jours pour vous détenir, c'est-à-dire pour vous détenir et pour vous renvoyer à l'audience. Dans quel cadre? Dans une prison, dans un commissariat? Non, pas dans un commissariat, hein, à la maison d'arrêt et de correction. Dans la Maca. Ici à Abidjan, c'est Maca. Non, ça dépend de votre ville. Si vous êtes ordonné, vous mettez au-dessus. Vous enlevez A là, vous mettez O. À Beauville, vous remettez le A. À Danané, mettez D. Donc, s'il y a une prison dans votre ville, maison d'arrêt et de correction 2, si c'est à Dimboko, vous mettez D. Mac D. Et si c'est à Boaké, mettez B dessus. Mais à Boaké aussi, il y a camp pénal. Donc, ça dépend. Donc, si je suis l'objet d'une procédure de flagrant délit, de flagrance, je ne peux pas être détenu plus de 15 jours. Dans cet intervalle fermé de 15 jours, je serai traduit devant le tribunal des flagrants délits pour être jugé. Maintenant, si c'est un crime que j'ai commis, attention, on sera obligé d'ouvrir une information judiciaire. Quand on dit crime, est-ce qu'on a raison de penser à meurtre? On a raison parce que le meurtre est un crime. Oui. Mais il y a plusieurs autres crimes qui interviennent. Lesquels? On va parler de viol, oui. On va parler de parricide, infanticide. Parricide, qu'est-ce que c'est? Tue son père. Infanticide, tue son enfant. Donc, on a plusieurs autres types de crimes qui peuvent intervenir. Comme on est dans le crime, l'avortement, est-ce que c'est un crime? Crime. Oui. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, ça existe, c'est un fléau qui existe. C'est vrai. Et quelles sont les peines en cours? Qu'est-ce qui se passe? Généralement, c'est 20 ans. C'est 20 ans. Mais est-ce que c'est appliqué ici en Côte d'Ivoire? Oui. Bien appliqué, les avorteurs, c'est-à-dire celui qui se fait passer pour un médecin et qui fait, entre midi et deux, ou bien le soir, quand tout le monde est parti, on appelle ça dans le milieu, dit c'est son gombo. Quand on t'attrape, c'est-à-dire celui qui a remis l'argent pour dire, faut aller faire ça, celui qui a fait ça, celui qui savait, la fille même qui, sur laquelle ça a été pratiqué, attention, parce que j'ai vu une dame qui allait se plaindre pour dire, je vais porter plainte parce qu'il m'a forcé à faire ça. J'ai dit, il t'a forcé, mais et ton consentement? Ton consentement a quand même joué. Donc toi-même, dans cette infraction-là, tu risques d'aller avec eux quelque part. Donc il faut d'abord réfléchir avant d'aller porter plainte. Mais quand vous avez connaissance de ce genre d'infraction, il faut dénoncer. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous mettre en prison. Vous n'avez pas besoin d'aller dire, c'est moi qui ai dit. Mais il faut dénoncer pour arrêter ce genre de pratique. Parce qu'il y a des gens qui perdent la vie au travers de cela. C'est une infraction qui porte atteinte à la vie humaine. C'est-à-dire que c'est là où la vie commence que cette vie-là est arrêtée. Donc il faut arrêter ce genre de phénomène. On appelle ça un crime flagrant, c'est ça? C'est flagrant parce que ça saute, c'est une évidence. Donc c'est une évidence si ça vient de se commettre. Si dans les temps voisins ça a été dénoncé, si le chef de maison voit que sa fille est dans une situation bizarre, elle avoue et il requiert la police, ou encore, il y a toutes ces situations, on dira qu'on est dans un crime flagrant. Et donc, dans le crime flagrant, le procureur de la République va saisir le juge d'instruction il va requérir une instruction. Le juge d'instruction va voir s'il y a lieu d'instruire, de ne pas instruire. Et quand il finit d'instruire, on va transmettre la procédure au parquet général, au procureur général. Et la chambre d'accusation va encore enquêter. Et après, la personne va passer devant la cour d'assises. Dites-moi, un cas concret. Une jeune fille de
15 ans, on va dire, folle amoureuse, en pensant avoir trouvé le prince charmant. Elle lit beaucoup les romans. Tout à fait. Elle est romantique. Donc, et cette jeune fille-là, qui pensait avoir trouvé donc le prince charmant, tombe enceinte. Et elle dit, ah, mon chéri, je suis enceinte. Il dit, si tu n'enlèves pas, tu ne me verras plus. Ah, mais comment on va faire? Et tout dit, on reste ensemble à condition que tu enlèves. Donc, c'est du chantage. Et donc, elle lui dit, mais je n'ai pas d'argent, je ne peux pas dire à ma mère. Il va dire, bon, tiens, je vais me débrouiller, je vais trouver l'argent. Et il lui remet, je sais pas, de l'argent. Et lui dit, en tout cas, va enlever. Quand on se revoit, ce que tu as enlevé, sinon toi et moi, c'est terminé. Alors, cette jeune fille-là, désemparée, folle amoureuse, au point de risquer sa vie et de risquer la stérilité, s'en va se faire charcuter. Et avec les personnes dont vous parliez, entre midi et deux, ou le soir à la descente, et avec des feuilles également, parce que ça aussi, hein, c'est un mélange avec des bouteilles cassées, enfin tout ce qu'on peut imaginer pour détruire. Et elle s'en sort, elle frôle la mort, et sa mère, agonisante, elle explique à sa mère ce qui s'est passé. Sa mère la récupère à la petite cuillère, elle guérit, mais il se trouve qu'on annonce à sa mère que sa fille sera dorénavant stérile. Quel recours à la mère, et est-ce que sa propre fille risque d'aller en prison si elle porte plainte? Non, tout dépendra des circonstances. On essaiera de voir l'état de la fille. Déjà, elle est mineure. Donc, on essaiera de voir cet état et peut-être qu'on lui trouvera des circonstances atténuantes parce qu'elle a été sous l'emprise d'un majeur, elle a été sous l'emprise d'un instigateur, un auteur moral, et il y a un auteur matériel qui est simplement cet agent du corps médical ou ce thérapeute qui lui a prescrit les potages ou encore les prescriptions qui n'étaient pas correctes. Donc, on essaiera de voir parce qu'il faut le dire, c'est vrai qu'il y a ce type d'agent.